Salut tout le monde, c'est Chakwa, on est de retour pour une vidéo consacrée à Esports UFC 2. Donc on m'a demandé un combat entre Robbie Lawler et Georges St-Pierre. Hop, le temps d'outrepasser ces petits bugs, vu que la bêta n'est plus dispo. On va se rendre directement dans le menu concerné, le seul qui marche depuis que la bêta n'est plus active. Hop. Le seul intéressant, on va dire. Alors, Robbie Lawler, c'est bon. Reste plus qu'à trouver Georges St-Pierre. Hop. Donc moi j'ai un petit peu l'habitude de jouer avec Georges St-Pierre, du coup je vais prendre Robbie Lawler hein, pour pas que ce soit trop désavantagé pour l'adversaire, enfin pour l'ordinateur plutôt. Hop. Et c'est parti. Par contre Robbie Lawler, j'ai dû le prendre que deux fois. Du coup je sais absolument plus. Bon, c'est pas grave, c'est la découverte. Boum. Et ben voilà. J'ai remarqué que tous mes premiers combats commencent comme ça. Et le ground and pound n'est vraiment pas puissant, quoi. Comparé à Esports UFC 1. J'ai l'impression que vous pouvez subir, il n'y a pas de souci, quoi. Preuve, je me protège même pas là, ça sert à rien. Je me protège un petit peu quand même, mais bon. Parce qu'on ne sait jamais. Pas ouf le grand N pendant, en même temps je crois que j'ai plus de cardio mais. Faudrait qu'il corrige un grand N pendant parce que là franchement il est pas impressionnant quoi.
J'aurais pas dû me baisser sur ce coup-là. Ouais. Voilà, la position était un peu tordue à la fin. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel combat vous souhaitez voir. J'enregistrerai dès que possible, bien que la bêta ouverte de Rainbow Six. Merde, qu'est-ce que je dis? De Tom Clancy, The Division sort dans quelques minutes. Du coup, je sais pas si j'aurai beaucoup de temps devant moi. Allez, passez une bonne journée.